Eh bien bonjour à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Spoken. Oui, maintenant maintenant c'est encore minuit. Ça je sais bien. J'ai pas les coupes de connexion, les packs de merde. Hein. Les packs de pas bon pack. Bon, le SummerSlam, 5 jours de draft, Taylor Bay SummerSlam, John Cena SummerSlam. Messenger, vitesse, vitesse et puissance. Messenger, manette et puissance légendaire. Ah bah, en gros, j'ai lu 3 directs, j'ai lu 3 meilleurs, les 3 meilleurs trucs. Bon, ça commence bien, ça commence bien. Bon, comme vous voyez, SummerSlam 18+, il y a récemment Kevin Owens qui est là. Kevin Owens, SummerSlam 18 Pro. Ma toute première SummerSlam 18 Pro, c'est énorme. Kevin Owens. Hop. Bon, on va chercher la commence League. PVP. Alors. Oh, punaise. Non, 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 non. C'est pour commencer, toi. Ouais. Donc, je disais. On va chercher nos commandes PVP. Allez, c'est parti. On commence par la ligue de patine. Oh, le monstrueux. On en go SummerSlam 17. Bestial Roman Reigns et monstrueux Peyton Royce. Ok. On y va sur chez un limite de. J'ai un niveau 7. 2000 PC, bien entendu. Hop. 5-15 momentum. Hop, effet momentum. Grande ligne de patine. Un Richard et Claude Bestial. Et. Bon, faudrait que t'arrêtes, hein. Ouais, ça va être comme ça, mais bon, c'est. C'est bien ma faute sur le téléphone qui fait comme ça à chaque fois. Bon, wesh. Donc, Picasso Bestial, Lana Monstrueux. Et Kevin Owens spécial. Hop, il y en a une ligue de panique géante. Attention, oh, Charles Fury titanesque. Oh, numéro 64. Harper monstrueux. P monstrueux. Lana monstrueux. Et. Oh! Randy Randall Ramsey! WrestleMania 34. Enfin! Et voir la pro. Randy Ronda Rousey, le Raw Women Champion. Oh yeah. Ouais. Ça c'est bon. Ça c'est bon pack que j'aime. Ça c'est bon pack que j'aime. Et comme je suis sympa, on va en racheter un autre. Hop. Tac. Niveau team géante, c'est parti. Attention. Que des monstres. Ah, titanesque. Il y a des monstrueux. Il y a des chanceux. Il y a des monstrueux. Et Age titanesque. Ok. Alors, on va aller chercher le pack. Let's oui. Ok, ouais. D'accord. On y pique. Pre-Wyatt. Il y a des choses pour nous pas gratuit. Hop. Ouais. Donc, mais on va aller dans le deuxième pack gratuit. Après, on ira faire les pros. Hein, un pro en Aussie. Qui est le WrestleMania. Pro en Strowman. Ok, donc en team, mais on dit, j'ai bien entendu Kevin Owens qui m'a fait une pro. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, tiens, on lance à King of the Ring. Tiens. Donc j'y suis, on lance à King of the Ring. Sur un Jack ici avec Alexabis. Échanger. Hop, Alexabis. Et voilà. Kevin Owens avec Ric Flair et. Attends. Avant d'en sortir un ring, je vais être sûr d'aller faire mes 15 momentum. Du coup, mes deux autres 15 momentum, ça va être pour. Randy Orton. Et Ric Flair. Voilà.
Ça, je reviens au menu. Hop, il y a un grand jeu. Tac. Encore un peu monté, hein. Je sais pas si j'en suis, D'accord, ouais, bon. Je suis au S de SummerSlam en fait, au tout début du S. Ça va, peut aller. Du coup, modificateur de deck, je veux que je fasse ça aussi. On va voir. Ah non! Même pas, je suis haut de SummerSlam. Eh, c'est pas mal ça, je suis haut de SummerSlam. Une mission, tac. Là, ça n'hésite plus, ça c'est bon. Ok, donc là, je suis SummerSlam Road to Glory. Que ça va encore un peu augmenter, mais bon. Voilà. C'est tout. Ah, il a commencé à agir, c'est dans 1 h 03 min, donc il aurait commencé à agir dans, ouais, dans 1 h 03 min, 9 h 55, 2 minutes maintenant. Alors, je rentrais mes pioches. Alors, après avoir poké SummerSlam 18, j'ai obtenu une autre SummerSlam 18 en pioche, j'ai obtenu Rusev Day. Donc voilà, Rusev que j'ai pioché. Bah, en même temps, j'avais atteint 234 reset, donc c'est pour ça que. Bon, pas mal ça. Non, rien, hein, n'est pas si mal. Non, il a peu compté. Pof, pof, pof. La rare. Ouh, il est pas mal, la rare. Mais après, c'est qu'il y a tant d'images et j'ai pas choisi lequel en fait. Ok, super rare. L'ultra rare. Oh, il est pas mal. Il est pas mal. L'épique. Ok, bon. Pas le meilleur, malheureusement. Légendaire. Moi, sans maquiller des passes. Légendaire fusion. Il est pas mal. Il est pas mal. Ensuite, Survivor. Ok, pas mal aussi. Bon, ça va se mettre. Bon, il y a encore le petit truc bleu qui dépasse, hein, malheureusement. SummerSlam. Il est pas mal, il est pas mal. Rusev endurci. Ouais. Rusev Hit. Ok, ça va. Rusev Ultime. Ouais. Rusev Wrestle 33. Ouais. Rusev Summer 77. Rusev bestial, ok, bon. Rusev monstrueux, ok, bon, pas meilleur malheureusement. Rusev monstrueux, Rusev titanesque. Lui est pas mal, et ben pas mal stylé celui-là. Ensuite, Rusev Titanesque Event. Oh oui, là il est pas mal. Là il est pas mal sûr. Après, il y a aussi Rusev en V64. V64. Il est pas mal. Pas mal aussi. Nagoyette. Ok, bon, je regarde plus l'image de Titanesque Event, il est pas si mal que ça. Ouais, franchement, c'est l'image de Titanesque Event qui est pas mal. Donc voilà, Rusev a dernière pioche, SummerSlam 18, juste après avoir fini Kevin Owens en pro. Après, on a John Cena, c'est un jour Samoa Joe, donc j'ai pas fait tous ces matchs, malheureusement.
John Cena, il maxait à fond. Ça, c'est bien. Voilà, Stone Cold, Braun Strowman, Dolph Ziggler, Rowan, Bobby Roode. Voilà. Bon, on va faire les pros, hein. Elle est combinable. Ah, j'ai aussi pioché Charlotte Flair, Goliath, qui faisait une pro. Donc, je reproche Charlotte Flair. Je vais commencer à faire ses matchs. Hein. Il est pas mal, pas mal. Allez, on va pour Ruddy Ronda Rousey en 54 pour argent, bien entendu. Parfait. Lana is the best. Lana number one. Lana is the best. Lana number one. Yeah! Hé. Ça c'est fait. En prochaine fois, ça va continuer en catalogue parce que je vais déjà en pro. Et que j'ai supprimé pour le. Mais que j'ai supprimé pour. À cause du deck Last Man Standing en fait. Un niveau monstrueux. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? J'ai vu Xavier Woods. Bayley, Johnny Gargano, qui en a ce passage, je le laisse, qui a Harper, Hirotami, Peyton Royce et English, ok. Donc je vais retenir, non, je vais retenir Xavier Woods et Bayley, Johnny Gargano, Harper, Hirotami, Peyton Royce et English, ok. Donc, on va aller voir dans le catalogue. Catalogue monstrueux, tac. 50 sur 240, c'est pas si mal que ça. Et l'English, j'ai pas en pro, donc ça c'est bon. Ça, je vais le loquer. Belly, j'ai en pro. Ok. Oh, page suivante. Il dit page suivante. Merci. Alors, hop. Après, à qui? Harper, j'ai en pro. Ok. Il a mis aussi. Johnny Gargano aussi. Kraner, c'est moi, c'est le jeu déjà. Ah oui, après Xavier Woods. Peyton Royce. Peyton Royce, je sais pas si j'ai en pro. Peyton Royce, si j'ai en pro. Ok. Xavier Woods. Et Woods, j'ai en pro, donc c'est pas la peine. Donc on va juste unlocker. Oui, juste un look et English que j'ai pas en pro. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Côté bestial, je vais vérifier côté bestial. Kilomètre, Roman Reigns, Rick Road et Big Cass. Alors, bestial, bestial, bestial. Non, ouais. C'est pas ici. Non, Bicasse, j'ai en pro Bicasse. Mince. Non, c'est pas ici non plus. Donc c'est Kevin Owens. Non, ça c'est pas là non plus. Kevin Owens, j'ai en pro. Non, même pas. Et Roman Reigns. Roman Reigns, j'ai en pro. C'est sûr, mais Kevin Owens, pas encore. En gros, j'ai unlocké Kevin Owens, et puis voilà. Il est actuellement 9h, les amis. Donc voilà, on va aller, hop. Retourner au menu et revenir pour faire un petit peu de gameplay. 14 minutes de vidéo, c'est pas si mal que ça. On va ouvrir les packs. Ok, les packs n'ont pas changé. Les fusions ont changé, je ne sais pas. Non, et pas changé les fusions, ok. Donc, dans 54 minutes, on va recommencer Team Battleground. C'est ça sera très bien. Donc, on va se faire du mode wide. Sauf qu'on va remplacer Kevin Owens par Rusev. C'est Marseille 18. Pour faire ses matchs. Hop. Rusev. Eric Young, est-ce qu'on a un match avec Young? Ouais, c'est beaucoup, hein. On va se faire, allez.
En gros, jusqu'à 25 minutes, on va faire 10 minutes, 10 minutes de reset. 10 minutes de reset. Alors, mettre chat de fer, c'est parti. Après, Kyong pour entraîner aussi. Parce que j'ai pas mal de cas d'entrée, j'ai Ricky Yang, j'ai Rusev, j'ai Samoa Joe entraîné aussi. Il est pas mal, hein, il est pas mal l'image de Rusev en TNS Event. En vrai, on est big pioche, c'est vrai. Est-ce qu'on aura pioché de ce samedi dans cette vidéo? Je ne sais pas. Ah oui, ici les défis. En ce cas, en ce cas. Ok, pas de pioche sur 5-8. Ok, tournage sauvage, on met un pack de cartes, on met une sur une carte, ouais, bon. Bref. Dans nos réseaux, comme par hasard, hein. Dès que j'ai un match en wide, attends du réseau. Moi, les Mexican Chamber, bah, je ferai ça plus tard, hein. Mexican Chamber, je ferai ça en off. Et normalement demain, si tout se passe bien, il y aura un live sur Twitch demain pour le ring machin de Samoa Joe. Donc, on va aller chercher la carte. Mais bon, on va pas le faire en un jour, hein. On va pas le faire en un jour, malheureusement. Allez, short flair. Hop. Oh, les deux cartes, sont magnifiques. Waouh. Hop. Avec Young. Losef. Yaa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 
Apple Young. Rousseff. Hop, Charles Flair. Très bien. Hop. Alors, tac. Ok. Bon, je crois que c'est un deuxième reset dans cette vidéo, après ça va être là. Hein. Ouais, on va faire un deuxième reset, après ça va être là. En prochaine vidéo, on recommence Steam Battleground et après on fera du wide, du. Non, du Emission Chamber. On fera de Emission Chamber. Alors, hop, Charles Flair, ça c'est gagné. Je dois repro aujourd'hui. Repro Charles Flair pour le deck RTG et LMS. Parce que vu que j'ai pas de Summer féminine, donc je suis obligé d'attendre. Hein. Mais bon, on va faire ça comme ça pour le moment. Mais après, bah, ça va être chaud. Hein. Après, sur la scène visite féminine pro, ça va être chaud. Hein. Hop. Donc, bah, là, je perds, malheureusement. Ouais, je perds. Dommage. Alors, on va prendre avec Young pour entraîner. Hop, Rousseff. Bien, très bien. Ok. Ah, j'ai oublié en ça qui m'a donné ici, oui. J'y ai pensé, mais bon. J'en ai pas lancé pour le moment, donc je relance juste après ce match. Ok. Alors, tac. J'espère ça. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et c'est bon. Ok, on y va. Let's go! D'ailleurs, j'ai pas vu si Edge titanesque. En titanesque, ça faisait une pro ou pas. Je pourrais faire une pro ou pas. Edge titanesque. Ah, j'en prends en plus, donc ça sert à rien. Bah, il va faire deuxième reset. On y va. Ouais, 24 minutes. On va faire dernier reset en vidéo. Hop. Eric Young. Charles Flair et Billy. Très bien. Hop, Rousseff. Très bien. Oula. On va encore crier famine. Ok. Hop. On continue.
Ah oui, il y aura aussi une troisième vidéo avec Pokémon Go. Oui, c'est longtemps que j'ai pas fait de Pokémon Go sur ma chaîne, donc j'en ferai une vidéo sur Pokémon Go. Ne vous inquiétez pas. Hop. Tac. Alors, je sais pas s'il y a des autres jeux de Pokémon intéressants sur mobile que j'aimerais bien jouer, que j'aime bien, qui pourrait me plaire. Bon, genre Pokémon Magic Carpet Jump, bon, c'était. Bon, c'était trop répétitif, malheureusement. Bon, j'ai dû arrêter, j'ai commencé à jouer un petit peu, et après, bon, j'ai dit. Bon, j'en ai un petit peu un parce que c'est trop long. Faire sauter Magikarp. Mon Dieu. C'était trop répétitif en fait. C'est un peu. C'est un petit peu dommage, mais bon. Là aussi, Pix, le nouveau jeu de cube, là, Pokémon. Je sais pas comment s'appelle le jeu. Ben, sur Pokémon en mode pixel, je veux dire. Sur mobile, je sais pas si c'est toujours là sur mobile, je ne sais pas, on verra. Je sais pas. C'est toujours dispo en ce moment sur mobile. De 1. Enfin bref. Spécial continue. Alors, Lucky Young. Lucef. Hop, Charles Flair. Très bien. Alors, du coup, trois pioches. Oh, John Cena, ça marche en 2007, pourquoi pas. Bon, voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus et de commentaires. Vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. De bientôt à 300 abonnés. Donc je compte sur vous de donner 300 abonnés au plus vite pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, une nouvelle vidéo spéciale 300 abonnés qui va arriver prochainement. Si on arrive à atteindre les 300 abonnés, donc n'hésitez pas à le faire. Hein. Après, il y aura encore des objectifs 500, 1000, 1500, 2000, etc. Bon, bref, sur ce, je vous souhaite de se passer une très bonne journée. Et à tout à l'heure pour la récompense Team Battleground. À tout à l'heure.